C'est pas des lignes mélodiques qui vous entraînent comme dans les opéras classiques. C'est vraiment des mondes à chaque phrase, presque. J'ai découvert la liberté de Mélisande, en fait. Qu'on peut croire que c'est une femme oppressée, sous le joug de l'époque. Mais en fait, je découvre qu'elle a une liberté pas du tout conventionnelle. C'est une femme libre. On a choisi quatre instruments. L'harpe, bien sûr, amène le côté la magie, le conte, la féerie, etc. L'accordéon, on va dire le souffle, qui va traduire le souffle et dynamique de l'ensemble des cordes. Le violoncelle, le lyrisme, et peut-être les percussions, voilà, ce côté plus matiéré. Dans Péléas et Mélisande, c'est pas tellement l'histoire d'amour qui nous intéresse, mais c'est plutôt le chemin de cette femme.